Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information sur Gabon News. Un seul titre ce soir. Passation de charge ce matin à la tête de l'Université des sciences de la santé du Gabon. Nouvellement promu, le professeur Paul-Marie Louimbé a pris ses fonctions ce mardi lors d'une cérémonie officielle. Les détails dans un instant. Je vous l'annonçais en titre, passation de charge ce matin à la tête de l'Université des sciences de la santé du Gabon. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du rectorat. Le compte rendu de Arsène Rebouka, Martial Tsonga et Justin Vitégué. Après plusieurs années passées à la tête de l'Université des sciences de la santé du Gabon, le professeur André Moussavou Mouyama cède sa place au professeur Paul-Marie Louimbé. Le recteur sortant reconnaît la lourdeur des tâches qui attendent son successeur, mais compte sur lui pour élever les défis du moment. Monsieur le recteur, la charge est lourde, vos épaules sont larges, vous serez à la hauteur, vous êtes dans votre maison. Je vous remets les dossiers de l'Université des sciences et de la santé. Le professeur André Moussavou Mouyama estime qu'il faut combattre le laxisme qui gangrène le milieu des sciences de la santé. On dit souvent chez nous que c'est le premier coup de bâton qui tue le serpent. Vous avez donné des orientations précises et exposé votre vision de l'université en adéquation avec le plan stratégique Gabon émergent très cher au président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ce coup de bâton sera donné dès cette semaine pour que meure le serpent du laxisme. Le professeur André Moussavou Mouyama appelle son successeur et son équipe à mettre leurs connaissances au service du développement. Il s'en va du rectorat de l'Université des sciences de la santé tête haute avec le sentiment d'un devoir presque accompli. Promu à la tête de la faculté de l'Université des sciences de la santé lors du dernier conseil des ministres, le professeur Paul-Marie Louimbé a pris ses fonctions ce mardi en présence du ministre Pacom Moubélé, retrouvant une fois de plus nos reporters Arsène Rebouka, Martial Tsonga et Justin Vitégué. C'est en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Pacom Moubélé, que le nouveau recteur de l'Université des sciences de la santé, nommé lors du dernier conseil des ministres, a été installé dans ses nouvelles fonctions ce mardi à Libreville. Après installation, le nouveau recteur invite ses collaborateurs au travail pour asseoir le système LMD. Monsieur le ministre, votre dynamisme, votre clairvoyance et votre sens inné de rassembleur font de vous une personnalité remarquable au sein de la République. C'est pourquoi tout le personnel de l'Université des sciences de la santé reste, autant que vous le souhaitez, à votre disposition pour éventuellement vous assister dans cette lourde mission. Monsieur le ministre, nous avons aussi conscience de l'attention particulière que vous portez à l'alignement de l'US aux standards internationaux, en veillant notamment à la création effective de 4 facultés spécialisées supplémentaires et à l'instauration du LMD dans les dites facultés. Aussi, le nouveau recteur installé dans ses fonctions a tenu non seulement à remercier son prédécesseur, mais aussi louer ses qualités. Monsieur le recteur André Moussavou Mouyama, votre ouverture d'esprit, votre abnégation, votre sens inné d'autocritique et d'équité font de vous non seulement un homme de science, mais aussi un homme plein d'humanisme et de clairvoyance. Aussi, en votre qualité de chef du département de pédiatrie, ayant formé 3 agrégés à votre actif, et sans oublier le DS de pédiatrie qui marche très bien, vous êtes un de nos piliers. Eu égard à ceux qui précèdent, nous sommes fiers de vous et comptons toujours sur vous. Le professeur Paul-Marie Louimbé et son équipe entendent se mettre rapidement au travail pour continuer l'œuvre du recteur sortant André Moussavou Mouyama, qui lui, humblement, a dit être disponible pour aider l'équipe qui vient de prendre fonction. Ouvrons à présent cette page politique, le secrétariat du Parti démocratique gabonais, sous la présidence de son secrétariat général, s'est réuni ce mardi 14 octobre à son siège à lui, autour de 3 points des activités du secrétariat exécutif du parti et du gouvernement. Un point que fait ici le porte-parole Jean-Sylvain Mandza, Justin Bitégué pour la presse. Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais informe les militantes et militants du parti
qu'une note d'orientation relative à la sélection des candidats du parti pour les élections sénatoriales sera incessamment mise à leur disposition. Celle-ci aura pour objectif d'orienter et de canaliser le choix des camarades qui solliciteront les suffrages des élus locaux en vue d'intégrer la haute chambre du Parlement national. À l'occasion du 5e anniversaire de l'accession du distingué camarade président à la magistrature suprême, le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais informe qu'il organisera une manifestation conséquente pour commémorer cet événement le jeudi 16 octobre 2014. Le secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais encourage les membres du gouvernement à poursuivre le dialogue social avec l'ensemble des partenaires sociaux de tous les secteurs. Cette méthode est utile, salutaire et responsable, à condition qu'elle débouche sur des solutions idoines et pérennes dans chaque secteur indispensable au service de nos compatriotes. Signature d'accord de partenariat entre le ministre des Droits humains et de la société Module Système du Togo. Objectif, construire la maison des droits de l'homme afin de sortir de ce département ministériel de la location. Kenny Ongori, refus Itoga pour les détails. À l'abandon depuis cette année, ce soubassement aux allures d'éléphant blanc va bientôt connaître un dénouement. À l'initiative du ministre des Droits humains, la signature d'un accord de partenariat entre ce département ministériel et la société Module Système du Togo a eu lieu ce jour dans les locaux du ministère, dans la perspective de réduire également les charges de l'État par une méthode efficiente de paiement des travaux qui vont bientôt voir le jour. Ce projet a subi quelques aléas depuis sa naissance. Le chantier est celui que vous connaissez. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, chers collaborateurs, c'est que nous ne créons pas de dettes à l'État. La spécificité de ce que nous allons faire là est que les charges de l'État restent identiques. Peut-être même que nous pouvons les abaisser. Nous ne pouvons pas continuer à rester locataires à vie. Qualité garantie, construction moderne à moins de coûts, voici l'offre faite par la société togolaise en charge de ce dossier au ministre des Droits humains. C'est un système totalement modulaire, un nouveau mode de construction. C'est un mode de construction qui existe en Europe depuis bientôt une trentaine d'années, mais qui n'a pas été encore exploité en Afrique. C'est des matériaux complètement de quatrième génération. Pour un délai d'exécution de 12 mois, une qualité de matériel de valeur pour une longévité importante, voici le joyau qui sera bientôt sur pied sur ce site qui va abriter dans quelques temps la maison des droits de l'homme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.